Au commencement du vécu c'était bon. Je vous fais donc cette belle création. Pour nous voilà tout un bel héritage. De s'en occuper peu importe son âge. Des co-créateurs. Bonjour la grande famille du CSCCE. Nous voici troisième semaine de l'Avent. C'est la troisième semaine de la joie. On approche de la fête de Noël. La couleur du rose qui signifie la joie. Tu vas avoir le cierge rose à ton école. Maintenant, on se demande, la troisième semaine de l'Avent, on va aller rencontrer les bergers. Eux qui ont entendu les anges les appeler pour aller à la crèche, comment ont-ils accueilli l'enfant Jésus? Allons voir l'abbé Jean-François. Ah, Madame Sylvie, nous sommes déjà à la troisième semaine de l'Avent avec, oui, les bergers qui... Ils étaient là, ils étaient déjà là dans la campagne, tout près de l'étable. Et les bergers, ben, ce sont des gens qui étaient pauvres, hein, qui couchent dehors avec leurs troupeaux, leurs moutons. Et ce sont des pauvres, les premiers qui ont su adorer l'enfant Jésus à la crèche. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que Dieu ne regarde pas les apparences. Il regarde le cœur des personnes. Dieu a vu le cœur des bergers et par les anges, ils ont su reconnaître Jésus comme l'auteur de toute vie. Et les bergers ont accueilli l'enfant Jésus avec une grande simplicité et avec un cœur sans jugement. Et jamais, imagine, jamais les bergers auraient cru qu'un jour, ils auraient contemplé Dieu dans une mangeoire. Et avec un cœur émerveillé, ils ont su accueillir la bonne nouvelle. Et toi, comment les bergers peuvent t'apprendre à accueillir l'enfant Jésus? Prends un moment de silence. Pour nous voilà tout un bel héritage, de s'en occuper peu importe son âge. Des co-créateurs, faire pousser des fleurs, embellir nos cœurs, et à tous